Un souvenir extraordinaire, trouver un public que je n'avais jamais vu, puisque c'est le premier concert que je fais avec ces chansons. Et puis l'accueil que les gens ont fait, c'était très émouvant, c'était formidable. Il y avait une merveilleuse ambiance. Moi, j'ai envie de recommencer, de retrouver tout le monde. Donc c'était merveilleux. C'est toujours un hasard, en fait la vie est faite de hasard, ça c'est un titre de chanson d'Aznavour, par hasard. Mais c'est vrai, la vie est faite de hasard et de rencontres, et c'est Lucien Hadès qui à l'époque dirigeait les disques Hadès, qui cherchait quelqu'un pour chanter des chansons, pour chanter des génériques, et puis je me suis retrouvée là-dedans, parce qu'il a trouvé que ma voix convenait à ce genre de générique pour la 5. Comment, pourquoi ça a continué, je ne sais pas, j'imagine que bah, peut-être que ça a plu. Je suppose, puisque la preuve c'est que je les rechante aujourd'hui. Donc ça a continué longtemps et avec beaucoup de plaisir. Max et compagnie, magie, la vie nous joue toujours. Et bien, tant qu'à faire un concert, tant qu'à répéter les chansons, tant qu'à travailler avec de superbes musiciens et de merveilleux choristes, je trouvais un petit peu dommage de ne pas laisser de traces de cet événement. Donc j'ai eu envie de faire ce disque pour garder une trace, pour garder un souvenir et puis aussi peut-être pour faire plaisir à un certain public. Alors à l'époque, on enregistrait 6 ou 7 chansons par jour. Et puis j'étais évidemment beaucoup plus jeune, donc j'avais une voix beaucoup plus jeune. Et je trouvais plus intéressant de sortir aujourd'hui un disque avec les chansons d'époque, mais réorchestrées, en gardant évidemment la couleur de l'époque, mais en apportant quand même une petite touche d'aujourd'hui, avec ma voix d'aujourd'hui, qui est une voix de 30 ans après. Voilà. Alors en termes de rendu sonore, je voulais qu'on soit conforme, qu'on soit un petit peu conforme aux versions originales au niveau du découpage, au niveau des tonalités. Je tenais beaucoup à ce que les tonalités soient les mêmes, que je ne descende pas les tonalités d'un ton ou de deux tons en me disant que ce serait plus facile à faire. Donc j'ai fait un travail quand même, j'ai remis ma voix en selle quelque part, comme un petit cheval. Et puis je voulais quand même qu'il y ait une couleur d'hier, tout en adaptant un petit peu aux couleurs d'aujourd'hui. En fait, je voulais faire le lien entre le passé et aujourd'hui. Pour avoir sa place au soleil, sur la terre, il faut... Une vie nouvelle, parce que d'abord, c'est la plus difficile. Mais c'est pas pour ça que je prends le plus plaisir à la chanter, mais elle demande une grande tessiture vocale, donc on peut vraiment y aller, lâcher le souffle. En fait, je les aime toutes ces chansons parce qu'elles représentent tous mes souvenirs de jeunesse, peut-être vos souvenirs d'enfance, mais moi mes souvenirs de jeunesse. Donc le fait de les rechanter aujourd'hui, je ne dis pas que ça me rajeunit, mais ça me rappelle d'excellents souvenirs. Et en termes de préférence, bon, j'ai dit une vie nouvelle parce qu'effectivement elle est difficile à mettre en place, elle demande une tessiture vocale. J'aime bien Max et compagnie, j'aime bien les Snorkies. Je peux pas répondre en fait à cette question. Qui qui sont les Snorkies, de super amis. Avec eux, c'est bon la vie. Youpi! C'est un disque qui a été produit par Julien Maubert, qui a eu la gentillesse de me produire aussi ce concert et de me faire ce cadeau, parce que je considère que c'est un cadeau tout à coup de m'offrir la scène de la Cigale avec des musiciens, avec des choristes. C'est un cadeau extraordinaire et de pouvoir enfin s'éclater comme ça. Robinson, on a trouvé une idée.
repassons. C'est là que nous ferons notre maison. Alors, je vous présente le bébé qui est enfin né. Le disque, le voilà, il existe, il est vrai. Il est vrai, c'est un vrai disque avec une vraie pochette, avec des vrais... Je vais vous montrer tout ça quand même, puisqu'on est entre nous. D'abord, voilà, le vinyle. Hop, hop. Bonjour, monsieur vinyle. Ensuite, il y a, comme promis, les deux CD. Voilà. Le premier, le CD avec tous les titres, avec 20 titres, qui sont les titres du concert. Et le CD avec les versions instrumentales. Donc, on a mis un certain temps à le faire, vous avez attendu, et je vous remercie d'avoir attendu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Oui, la pochette, bien sûr. Recto. La voilà. Verso, avec un petit mot. Et puis, bien sûr, l'intérieur, avec une photo du concert, des photos de travail, vous avez tout vu, et la tracklist, bien sûr, derrière. Dans l'ordre, l'ordre du CD, la label, Embrasse-moi Lucille, Pollyanna, Une vie nouvelle, Karine ou l'aventure du nouveau monde, Lydie et la clé magique, Théo ou la batte de la victoire, Laura ou la passion du théâtre, le petit Lord bien sûr, Gwendoline, la petite Olympe et les dieux, les quatre filles du docteur Marsh, la tulipe noire, But pour Rudy, super nana, Vas-y Julie, Flo et les Robinson suisses, Max et compagnie bien sûr aussi, Claire et Tipoun et les Snorkies. Oh oui, 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 j'aimerais bien. Vous savez, quand on a goûté à ce genre de choses une fois, puisque je n'avais jamais chanté ces chansons en scène, on y a goûté une fois, on a envie d'y retourner. C'est un peu comme le grand bain. Au départ, on a peur de plonger, on se dit, oh là là, je vais me noyer, je ne veux pas me noyer, comment je vais faire, est-ce que je sais nager? Puis on plonge, on fait ça, et puis on se rend compte que l'eau est formidable, que c'est un vrai bonheur. C'est pareil, après on a envie d'y retourner. Julie, ça tourne dans ta tête, Julie. À vous qui avez attendu ce disque si longtemps, d'abord je vous remercie d'avoir attendu. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à le réaliser, à ce qu'on le réalise, mais j'espère que... En tout cas, moi je l'ai fait avec tout mon cœur, on l'a tous fait avec, de tout notre cœur, et les musiciens, les choristes et moi-même. Et maintenant voilà, je vous l'envoie, il est à vous, et amusez-vous. Il faut y croire à ces légendes et à toutes ces histoires.